Bonsoir Tarek. Bonsoir l'homme. Waouh, quel accueil, franchement. Hey, j'ai des frissons là. C'est fou quoi, vous êtes très nombreux. Hein, franchement, je suis épaté du nombre de personnes qui. En plus, on m'a dit qu'il y avait deux salles pleines comme ça. Franchement, ça me fait hyper plaisir parce qu'en plus, bah, vous êtes les premiers à voir le film. Bah, donc, du coup, bah, j'étais un petit peu stressé quand même parce que bah, vous êtes parmi les premiers du coup. J'attends avec impatience vos retours et en même temps je suis très content parce que du coup c'est 3 ans de travail et en même temps je fais des films pour vous, pour le public et du coup j'attends du coup vos retours et savoir si ça vous a plu. J'espère que vous êtes bien marrés. Je suis là quelques minutes avec vous pour répondre à toutes vos questions. Je suis là 3 minutes max. Voilà. Donc n'hésitez pas, vous levez la main et je vous ferai une joie de répondre à vos questions, que ce soit sur le film ou sur le réchauffement climatique. Tout au fond là-bas? Il n'y en a pas un qui veut m'aider, là, il y a pas une question. Oh, okay. J'arrive, il a levé la main en premier, j'arrive. Discutez entre vous, tranquillement. Aïe, Barthélémy. On peut applaudir Barthélémy qui va être dans cette tâche. Bonjour Tarek. Bonjour, tu t'appelles comment? Je m'appelle Maëlle. Salut Maëlle. Merci. C'est le micro qui marche pas ou c'est toi qui marche? Non, c'est bon. Ah. En train de réfléchir. Ah. Je m'en souviens plus de la question. Ah. Tu veux qu'on te laisse un petit peu de temps? Je reviens dans 3 ans. C'est quoi ta question, Maëlle? T'as ressenti quoi quand t'as réalisé ce film? Ah, t'aurais mieux fait de réfléchir encore un peu, je crois. Non, je plaisante, mais j'ai ressenti quoi quand j'ai réalisé ce film? Parce que franchement, ta question, elle est intéressante. Pour être honnête, j'ai eu un peu de fierté dans le sens où c'est un film qui a été très compliqué à mettre en place. Parce que vous l'avez vu, il y a 3 pays différents. Il y a la France, il y a Abu Dhabi et il y a le Mexique. Donc vu comme ça fait un peu vacances, mais en réalité, ça a été très compliqué à mettre en place. D'avoir les autorisations, ça a été très compliqué. Et les producteurs qui sont là, donc d'ailleurs ils vont lever la main, c'est Marc Fishman et Christophe Servoni qui sont là. Vous pouvez lever la main, voilà. Ils sont énormément battus pour qu'on puisse tourner dans ces pays-là. Et surtout, en fait, comme vous avez pu le constater, il y a des grosses scènes de cascade que j'ai fait moi-même. Et donc du coup, ça a été encore plus compliqué d'avoir ces autorisations-là parce que, notamment la scène du building et la scène de l'hélico, comme c'est moi qui fais les scènes d'action moi-même et que du coup les Abu Dhabi, ils n'étaient pas, je vous avoue, hyper chaud à l'idée de savoir que le réalisateur et le comédien principal fassent lui-même les cascades, ils avaient peur qu'il se passe un accident, que ça leur fasse de la mauvaise pub. Mais du coup, on s'est quand même battu, notamment les producteurs, pour qu'on puisse faire les scènes. Et on est revenu avec de belles images et j'en suis pas peu fier. Je suis un peu le Tom Cruise français. Je suis Tarek Cruise. Et donc du coup, pour répondre à ta question, un peu de fierté, voilà. Merci.